unastahili kuwa unastahili baba unastahili kuwa budiwa unastahili uzima unastahili kuwa budiwa unastahili baba unastahili unastahili kuwa budiwa unastahili baba unastahili kuwa budiwa unastahili d'être exalté, notre Dieu. Fermons nos yeux et disons-lui, qui est comme toi? Personne n'est digne de recevoir la louange que tu reçois. Ô Seigneur, sois glorifié, sois exalté. Ce matin encore, nous voulons t'écouter. Ce matin encore, Seigneur, l'obéla moté manangai, na tongwa le lulisus, na bongisi moté mangapo na yo. Oh, gloire à Jésus. Seigneur, nous disposons, nous sommes là dans ta présence, au nom de Jésus. Père tendre, nous te célébrons. Nous te magnifions parce que tu es Dieu. D'éternité en éternité, de génération en génération, tu es le roi de gloire en qui nous avons placé notre appui. Seul ton nom soit élevé, Seigneur, pour ce moment. Nous bénissons ces instants où toi-même tu vas nous communiquer ta pensée. Parle, Seigneur, et tes serviteurs t'écoutent. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Pouvons nous asseoir. Rekovanda. Pour ceux qui ont des Bibles, nous prenons notre texte pour la méditation de ce matin. Pour la bébé, la Bible na bango, tozu Bible pour la commande la litangi ya tongwa lelo. Nous sommes là dans les livres d'Exode, chapitre 5e. Tozana mokanda bobimi mokapona mitano. Chapitre 5, nous allons lire à partir du 10e verset. C'est un peu une longue lecture. Mokapo mitano tokobanda na molongo na zomi mo litangi ya molai. Merci de vous d'honorer la parole de Dieu. Exode chapitre 5, verset 10, nous irons jusqu'au verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez. Car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tous les pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur et par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui? Comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée. Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon. Et lui dit, pourquoi traite-t-il un
ainsi tes serviteurs. On ne donne point de paille à tes serviteurs. Et l'on nous dit, faites des briques. Et voici tes serviteurs sont bâtis comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes de par ici. Vous êtes goy goy. De par ici. Bah goy goy. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, Sikawa. Allez travailler. Sala. On ne vous donnera point de paille. Bon, et vous livrerez la même quantité de briques. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et veuillez vous asseoir. Amen. Nous disons merci à l'Éternel notre Dieu pour l'amour qu'il nous a témoigné et il a permis que nous puissions nous retrouver encore en ces jours. Je dis grandement merci à mon Père pour cette grande marque de confiance qu'il ne cesse de nous témoigner, nous ses enfants. Disons merci à Maman Eugénie et merci à tous les hommes de Dieu avec lesquels nous avons toujours travaillé. Et je bénis notre Église. Et je dis que le roi nous bénisse. Amen. Amen. Ce matin, il a plu au Saint-Esprit et à nous pour parler sur un sujet que nous intitulons « Je refuse la vie d'imposition ». Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Je refuse na boy, la vie d'imposition. Bon, j'aimerais que nous puissions comprendre la pensée selon l'écriture que nous venons de lire. Mais je veux d'abord structurer. Ça sera comme une prédication, comme un enseignement. Premièrement, nous allons définir ce que c'est la vie d'imposition. Et la deuxième chose, nous allons parler de quelque sorte d'imposition. En troisième position, nous allons parler des caractéristiques des personnes imposées. Et enfin, le quatrième point, nous allons parler des principes fondamentaux pour être libéré de la vie d'imposition. Nous sommes ensemble. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je dis que nous parlons sur le refus de la vie d'imposition. Et notre enseignement est structuré de la manière suivante. Le premier point que nous allons parler, nous allons définir ce que c'est la vie d'imposition. Et comment l'imposition vient dans la vie d'une personne. Et deuxièmement, nous allons parler de quelque sorte les sortes d'imposition. Et en troisième lieu, et nous parlerons des caractéristiques des personnes imposées. Comment pouvons-nous connaître que ces personnes sont imposées? Et enfin, quatrième point, nous allons parler de quelques principes pour se débarrasser de la vie d'imposition. Amen. Amen. Nous commençons avec notre premier point. La vie d'imposition, qu'est-ce? Une vie imposée, c'est une vie où l'on pousse la personne
personne à faire des choses qu'elle ne veut plus, mais faire ce que c'est lui qui l'impose, le recommande. Dans sa volonté, il ne veut pas faire. Et dans la volonté de celui qui l'a créé, il ne veut pas. Mais celui qui domine sur lui, le pousse à faire certaines choses que lui-même ne veut pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Donc il y a des personnes qui ne font pas ce qu'ils veulent, mais qui font ce que leur bourreau les pousse à faire. Ces personnes-là ne sont pas libres, bien qu'ils ont le Saint-Esprit. C'est vrai, nous avons fêté la Pentecôte. C'est vrai, le Saint-Esprit est venu sur nous. Est-ce que tu as le pouvoir de faire ce que le Saint-Esprit t'est dit? Ou tu fais ce que l'ennemi du Saint-Esprit t'est dit? Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc ceux qui ont le Saint-Esprit, ils sont affranchis. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ils vivent dans la liberté. Le Saint-Esprit les pousse à pouvoir faire ce que Dieu veut. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Mais bien aimés frères et sœurs, lorsque tu fais des choses que toi-même tu ne veux pas, comme si tu étais poussé par une autre personne, vous devez savoir qu'il y a quelqu'un qui domine en toi. Cette imposition peut être physique ou spirituelle. L'aspect physique ne m'intéressera pas beaucoup plus, mais c'est juste l'aspect spirituel. Parce que l'aspect physique, c'est ce que nous venons de lire, mais l'aspect spirituel, nous allons le voir dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Mais l'imposition spirituelle consiste à dominer la volonté d'une personne en vue de disposer librement de toutes ses facultés. Donc, lorsqu'on parle de l'imposition spirituelle, c'est une imposition qui consiste à dominer la volonté d'une personne en vue de disposer librement de toutes ses facultés. C'est qu'on te domine sur le plan spirituel. Tu as la volonté, mais cette volonté-là est dominée par quelqu'un d'autre. Tu as l'envie de faire quelque chose, mais comme ta volonté est dominée et comme on a disposé librement toutes tes facultés, tu as le pouvoir, mais tu n'as plus de force pour faire ce que toi tu vis. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Je sais que l'apôtre Paul parle en Romains chapitre 7. Quand vous regardez le verset 14e et 15e, et vous souhaitez pour lire 21 et 22, l'apôtre Paul est en train de parler. Le bien qu'il faut faire, je le sais, mais ce bien-là n'habite pas en moi. Ah. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Non, ça c'est une bonne illustration. L'apôtre Paul dit, le bien qu'il faut faire, je le sais. Je sais faire les bonnes choses. Je sais faire ce que je veux. Mais cela n'habite pas en moi. Quand je veux faire le bien que je veux, je me retrouve en train de faire le mal que je ne veux pas. Écoutez ce qu'il dit.
si je ne fais pas le bien que je veux, et que je veux ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le mal qui habite en moi. Il s'est senti imposé, c'est qu'il y a eu une certaine force qui dominait sur lui. C'est ainsi qu'il le dira: malheureux que je suis, qui me délivrera de ce ciel, qui péché et de la mort. Il dit: grâce soit rendue à Dieu, parce qu'il m'a envoyé son fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour me délivrer de la loi du péché et de la loi de la mort. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Donc il y a des personnes comme ça. La volonté est de faire autre chose, mais en pratique il ne fait pas cela. Je venais avec notre papa. Il me dit en route: Israël, la justice ne doit pas seulement être prêchée, mais elle doit aussi être pratiquée. J'ai aimé cette parole quand il me l'a dit. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Le fait de connaître le bien, ce n'est pas un problème, mais pratiquer le bien que vous connaissez là. Agir selon la connaissance à Christ. Pour dire le bien qu'il faut faire, je le sais. J'ai déjà reçu l'enseignement. Je connais ce qui est mal et ce qui est bien. Mais à chaque moment que je veux faire le bien que je connais, je n'arrive pas à le faire. Mais je fais le mal que je hais. Et si je fais toujours le mal que je hais, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le mal qui habite en moi. Qu'on peut dire amen? Très bien. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. Connaître la chose, c'est bien, mais la pratiquer en est une autre. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. C'est pourquoi la Bible dit: ne soyez pas des auditeurs oubliés. Vous devez pratiquer ces paroles afin que vous viviez par elles. Ah, je me sens bien ce matin parce que le Saint-Esprit est là. Bon, en tout cas, je me sens très bien ce matin parce qu'il y a la présence d'une personne extraordinaire, et c'est cette personne là qui va nous délivrer de l'imposition de l'ennemi. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Il y a des personnes qui savent les bonnes choses qu'il faut faire, mais à chaque moment qu'ils veulent faire cela, c'est difficile de les pratiquer. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi, et il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que tes facultés et ta volonté ne soient pas dominées. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Par la puissance de ce monde. C'est ainsi que tu peux venir à l'église et faire autant d'années dans l'église, mais vous vous rendrez compte que vous n'avez pas abandonné certaines choses. Deuxième point: sortant d'imposition. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ça, c'est le deuxième point. On a le ton, nous avons compris ce que c'est l'imposition. Maintenant, nous parlons de ces quelques sortes d'impositions. Elles sont plusieurs, mais celles que nous avons essayé de choisir pour vous, il y en a trois ou quatre. La première sorte d'imposition, c'est l'imposition de transmission.
Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. L'imposition de transmission. C'est quoi l'imposition de transmission? C'est une pratique par laquelle la personne qui est imposée finit par être esclave. Amen. Amen. Quand on parle de l'imposition de transmission, voyez une pratique par laquelle la personne qui est imposée finit par être esclave. Et l'esprit guide de cette sorte d'imposition, c'est la domination. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Donc ça veut dire quoi? Quand on parle de l'imposition de transmission, c'est qu'on prend une personne qui était esclave, on la confie à une autre personne plus forte pour être au service de ce dernier, afin que cette personne-là domine sur elle. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça c'est l'imposition par transmission. C'est ce que nous venons de lire dans ce texte. Israël. Vous connaissez comment il s'est retrouvé en Égypte. Israël a suivi Joseph. Mais comment était Joseph? Vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte. Écoutez, les gens peuvent te chasser de leur maison, mais personne ne te chassera de la destinée de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. On a chassé, on a vendu Joseph. Et Joseph est allé dans la maison de Potiphar. Là, on l'a calomnié, il s'est retrouvé en prison. De la prison, Dieu l'a élevé. Et c'est lui qui était la deuxième personnalité après Pharaon. Ses frères l'ont suivi. Alléluia. Amen. Quand ils sont arrivés, Pharaon qui connaissait Joseph, il avait de l'estime envers les enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Il y a certaines ouvertures dans la vie qu'il faut refuser. Toutes les ouvertures ne sont pas bonnes pour nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Et tout ce qui se présente devant toi, ce n'est pas seulement une bénédiction en place. Il y a des ouvertures qu'il faut refuser. Pharaon d'ouverture a ouvert les portes. Israël est entré. Mais comme Pharaon d'ouverture n'était pas éternel, il y a eu un deuxième Pharaon que nous appelons Pharaon d'imposition. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Pharaon d'imposition est venu. Il a fait constat que Israël en Égypte est en train de se multiplier. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Nous devons les imposer. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Nous devons imposer Israël. Comment on a imposé Israël? Depuis tout ce temps, on avait choisi les commissaires parmi les enfants d'Israël pour diriger leurs frères. Et il y avait aussi les commissaires des enfants des Égyptiens qui dirigeaient et les enfants d'Israël et les Égyptiens. Maintenant écoutez, c'était des enfants d'Israël qui devaient faire des briques pour bâtir des grandes villes en Égypte. Les villes comme Python, comme Ramsès, toutes ces grandes villes-là, les enfants d'Israël
Il faisait des briques. Écoutez ce qui m'intéresse. Il y avait la paille. La paille servait du ciment. Il devait faire passer la paille à la moule. Et ils avaient maintenant cette poussière-là mélangée au sable et fabriquer une brique. C'est comme le cas ici chez nous. Nous avons le sable, mais pour faire une bonne brique, il faudrait mettre du ciment. On mettait le ciment pour faire cette brique-là. À cause de l'imposition, Israël qui était content de servir Pharaon, Israël qui était prêt pour faire tout ce qui est pharaon, on leur dit, ne donnez pas encore de la paille aux enfants d'Israël. Et ils doivent continuer à fabriquer la même quantité de briques comme quand il y avait de la paille. Ça veut dire quoi? Donnez leur du sable, mais ne donnez pas du ciment. Avec ce sable là qu'il fasse des briques. C'était demander l'impossible aux enfants d'Israël. Mais bien aimés frères et sœurs, la Bible dit, les inspecteurs des enfants d'Israël ont été même fouettés par les inspecteurs des Égyptiens. On les a punis sévèrement. Maintenant écoutez ce qui se passe. Ils sont allés devant leur chef Pharaon. Écoutez, c'est lui qui te domine. C'est lui qui t'impose. Même si tu t'agenouilles devant lui, il n'aura jamais pitié de toi. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Parce que c'est lui qui te domine. Et c'est lui qui t'impose. Écoutez maintenant ce qui m'intéresse. Ils arrivent devant Pharaon. Nous sommes là pour te servir. Voilà, tes serviteurs sont même battus. On ne nous donne pas de la paille, pourquoi? Et si on ne nous donne pas de la paille, comment nous pouvons faire des briques? C'est alors que Pharaon leur dit, vous êtes paresseux. Vous êtes paresseux. On ne vous donne pas la paille. Et allez faire la même quantité de briques. Parce que dites, nous allons adorer Dieu. Nous allons faire notre culte d'action de grâce. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Écoutez mes frères, à cause de cette imposition, lorsque les commissaires des enfants d'Israël sont sortis de chez les pharaons, ils ont trouvé Moïse et Aaron à la porte. Ils dirent à Moïse, Aaron, que Dieu vous regarde. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est pas si vous voyez ces douleurs là. Que Dieu vous regarde. C'est par vous que nous sommes maltraités. Ce qui m'intéresse, c'est cette parole là. Il dit, vous qui êtes nos frères, vous avez mis l'épée entre les mains des pharaons. Ah. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Vous-même nos frères, vous avez mis l'épée entre les mains des pharaons pour qu'ils puissent nous faire du mal. Que l'Éternel soit juge. Papa nous a dit la justice, ce n'est pas seulement ce qu'on prêche là, mais la justice doit être pratiquée. Que le nom du Seigneur soit loué. Il dit que Dieu soit juge. Nous sommes persécutés comme ça. Ces paroles ont touché Moïse. C'est alors qu'ils ont recouru à Dieu. Moïse a même dit, pourquoi Dieu tu m'as choisi? Pour faire souffrir ce peuple ici. Afin qu'il marche dans la vie d'imposition. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Que le nom du Seigneur soit glorifié. La Bible dit, les enfants d'Israël se répandirent dans toute la plaine en train de chercher du chaume au lieu de la paille.
Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es imposé par l'ennemi, ne fabrique pas une solution par toi-même. Parce que la solution est déjà là. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais du Dieu qui fait miséricorde. Bien aimé, frères et sœurs, les enfants d'Israël se sont repentis en train de chercher la solution ailleurs. La Bible dit qu'ils cherchèrent du chaume au lieu de la paille. Quelque chose de semblable. Quelque chose qui n'était pas correct. Quelque chose qui ne peut pas être durable. Quelque chose qui était fragile. Mais bien aimé, frères et sœurs, dans cette imposition de transmission, on peut te prendre ici, on te vend quelque part, comme on a pris Joseph, on l'a vendu, ceux qui l'ont vendu, ils l'ont vendu, et de là où il est vendu, il est en prison. Mais parce qu'il avait la destinée de Dieu, la destinée de Dieu finira toujours par s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Deuxième imposition, c'est l'imposition de contrôle et d'exploitation. Lorsque cette deuxième sorte d'imposition, il y a trois esprits. Premier esprit, c'est l'esprit de filature. On te poursuit dans tout ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas de secret pour toi. Derrière toi, il y a quelqu'un. C'est quelqu'un dans le monde des ténèbres. Quand il veut réussir, l'information est partie. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Mais bien aimé, frères et sœurs, avec cet esprit de contrôle, l'esprit de filature te poursuit. Il est en train de te poursuivre pour savoir si tu es échappé ou si tu n'es pas échappé. Gloire soit rendue à Dieu. Paul et Silas étaient imposés. On a cherché l'esprit de filature, un esprit de contrôle qui était un chevalier. On a mis à la porte avec l'ordre que ces gens qui sont dans la prison ici, ces gens qui ont l'esprit imposé, ils ne doivent pas sortir. Si jamais ils sortaient, nous allons vous tuer. On a pris l'arme, on les a donnés. Garde bien ces gens qui sont ici. Mais grâce soit rendue à Dieu. Comme l'apôtre Paul lui-même a dit, grâce soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ qui me délivre de la loi du péché et de la loi de la mort. Pendant qu'ils étaient en prison, ils n'ont pas fait autre chose. Ils ont commencé à prier et à chanter les louanges de l'Éternel. La Bible dit, au milieu de la nuit, quand les gens sont endormis, les gens croyaient qu'il n'y aura rien. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit, les fondements de la prison tremblèrent et les portes de la prison s'ouvrirent. Le geôlier était là, et comme il était là, la Bible nous dit, quand il s'est rendu compte que la porte est ouverte, il n'a pas attendu qu'on vienne le tuer. Il a tiré son épée voulant se faire du mal. Quand il voulait se faire du mal, Paul et Silas s'approchaient. Il lui dit, ne te fais pas du mal. Nous sommes tous là. Il n'y a personne qui est parti. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. La Bible dit, l'esprit de contrôle est calé à genoux
devant les esclaves, devant les prisonniers, et il a dit, que ferai-je? Qu'est-ce que je peux faire? C'est alors que Paul lui dit, crois en Jésus, accepte Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. La bénédiction que Dieu va te donner, ce n'est pas seulement ta bénédiction, mais c'est une bénédiction qui doit t'affecter toi, qui doit affecter tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants. Ils seront aussi bénis parce que tu es en Jésus Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Paul et Silas, Paul on a Silas devant cet esprit de contrôle, Dieu les a sauvés. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est même Dieu là, de l'apôtre Paul, c'est le même Dieu de l'apôtre Omer, parce qu'il n'a pas changé. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Est-ce que vous voyez comment on a conclu les livres des Actes des Apôtres? On n'a pas conclu comme toutes les lettres. Hein? C'est comme pour dire que ces actes-là sont continués. Est-ce qu'on peut dire amen? Ces actes-là sont continués. Ce que Dieu a fait avec les apôtres, il le fait avec notre Père. Parce que c'est le même Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, l'esprit de contrôle a ces deux esprits qui suivent. Un, la critique. Deux, la calomnie. Kotonga. Ce sont ces deux femmes avec lesquelles il marche. Quand il fait avec l'esprit de contrôle, il contrôle, il se rassure avec cet esprit de filature. Maintenant, ces deux femmes, c'est la critique. Deuxièmement, c'est la calomnie. C'est ça la calomnie. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. Tu ne connais même pas ce que l'on parle là. Mais lorsque quelqu'un vient pour parler de toi, il ne fera que te calomnier. Il a dit ça. Il a fait ça. Il m'a parlé comme ça. Ne vous inquiétez de rien. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Est-ce que vous savez ce qu'on a fait de Joseph par la femme de Potiphar? Comment pouvait-il se justifier? Victime de la calomnie. Avec la preuve à l'appui. Parce qu'il avait sa chemise dans ses mains. Et il dit avec assurance. Tu vois cet hébreu ici. Cet esclave que tu as mis. Il est venu dans ma chambre. Il voulait me violer. Comment Joseph pouvait se justifier? Il ne pouvait rien faire. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Il n'avait pas autre espérance. Et celui-là, Potiphar, tu viens. Mais Potiphar, pas Yaki. Là, écoutez ce que sa femme lui a dit. Ayokaki, oh, moi, na lobi na ye. Le Tout-Puissant. Ya tondanguya. Il prend le Messier. Azui motoana. Direct en prison. Atie na boloko. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Dans une telle prison. Na boloko abongo. Qui peut te libérer? Na noki ko kangula yo. Avec une telle vie d'imposition. Na bomo open na baza ko konta yo. À cause de la calomnie. Na tina koko si la makambo. J'aime le Seigneur Jésus Christ. Na kolo Yesu Christ. 1 Pierre chapitre 4. Les versets 12 et 13. Écoutez ce que l'apôtre a dit. Oh bien-aimé, ne voyez pas comme une chose étrange de la fournaise qui est au milieu de vous. Lorsque vous êtes persécutés à cause du Seigneur, réjouissez-vous de la part
ou que vous avez aux souffrances de Christ. On peut vous calomnier, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Ce n'est pas étrange. Dieu ne considérait pas comme une chose étrange. De la fournaise qui est au milieu de vous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et lorsque la deuxième femme vient, c'est la critique. Tout ce que tu fais, on doit critiquer. Même si c'est bien, même si c'est bien fait. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Quand vous venez à l'église et que vous repartez, et que vous ne faites absolument rien, vous n'aurez jamais de problème. Mais le jour où tu prendras les balais pour balayer dans cette église et ramasser les herbes à côté là, c'est en ces temps-là que tu auras des problèmes. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Mais tant que tu es spectateur, il n'y a pas de problème. Quand tu fais quelque chose, est-ce qu'on peut dire amen? Non, ces choses-là sont chez nous, pas ici chez vous. Hein. Quand les gens commencent à travailler dans l'église, il y en a ceux qui ont été calomnier les femmes du pasteur Israël. Non, ils ont dit que ces femmes-là sont des femmes du pasteur Israël. Juste pour les décourager. La critique vient juste pour te décourager de ne plus faire. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous connaissez les manguiers, hein? Même un avocatier. Si ce n'est pas sa saison et sa période, le manguier est tranquille et calme. Il n'y a aucun problème avec cet arbre-là. Mais quand il commence à produire des fruits, nous sommes ensemble. Amen. Et les produits, les mangues commencent à mûrir. Ces manguiers n'aura pas de paix. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Celui qui a le stick va taper. Surtout les femmes de chez nous quand elles conçoivent. Pas vous, je dis celles de chez nous. Qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent les mangues qui n'ont même pas mûri, papa. Vous verrez toutes les femmes en train de regarder. Ils peuvent vous prendre la pierre, jeter, pour cueillir la mangue. Mais quand la pierre qu'on jette là rate de toucher au fruit, il va toucher à l'arbre, n'est-ce pas? Et l'arbre est blessé. Il y a même les larmes qui couvrent. Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu les larmes des manguiers, n'est-ce pas? Mais bien aimé, je vous dis vrai. Toi là, yo, tu es un arbre dans le champ de l'éternel. Quand tu ne produis pas les fruits, tu es tranquille. Mais quand tu vas commencer à produire les fruits, les pierres, ce sont des paroles. Les paroles qu'on doit te dire, on te dit juste pour te décourager. Et je suis venu dire à quelqu'un, décourage pas, persévère, fais ce que Dieu t'a dit de faire pour sortir de l'imposition. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Troisième imposition, c'est l'imposition d'élimination. L'imposition d'élimination, c'est une imposition qui consiste à pousser délibérément la personne imposée à la mort. Quand on t'a dominé, c'est en Juges chapitre 16, vous irez lire. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet homme de Samson, un héros espéré en Israël, qui devait commencer à délivrer son peuple, un messie tant attendu,
un monsieur tant attendu. Il a commencé à faire des choses qui ne sont pas meilleures. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a divulgué les sens secrets. On l'a arrêté. On a rasé la tête. On a crevé les yeux, vous le savez. Et on l'a mis dans la prison. On a commencé à les dompter. Le but c'était de les faire souffrir avant de l'amener à la mort. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Le but était de les faire souffrir et puis les tuer. Mais ils ne savaient pas que plus le temps passe, plus les cheveux poussent. Ce qu'on a rasé, ce sont des cheveux. Mais la tête, elle reste encore au cou. Comme la tête reste au cou, il y a encore de l'espérance. Bien-aimés frères et sœurs, un jour, on a sorti Samson pour qu'il puisse divertir les gens. Et pendant qu'il était là, il s'était déjà repenti. Il avait compris qu'il avait fait ce qui était mal. Et quand il est sorti, il pouvait danser. Et les gens le regardaient. Les gens le voyaient. Comment il dansait. Intérieurement, il s'est dit, je suis un véritable héros. Maintenant, je suis imposé. Cette vie qui m'a été imposée, je ne l'accepte pas. Je refuse cette vie ici. Et pendant qu'il dansait, il y avait des gens qui étaient là à l'immeuble, en train de boire, en train de voir. Ils étaient très contents. Mais ce que j'ai refusé, ce génétique, c'était une prière mal faite. C'était une mauvaise prière. Ils disent à un jeune garçon, conduis-moi aux deux colonnes. Parce que la chevelure poussait déjà. Mais écoute la prière qu'il fait. Oh Dieu, donne-moi la force pour cette fois-ci. Que je me venge pour mes deux yeux. Et que je meure avec ce Philistin. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Pourquoi pas demander l'ouverture de ses deux yeux? Mais dis, je vais mourir avec lui. Ça, c'était une mauvaise prière. Dieu lui a donné ce qu'il a demandé. Non, écoutez, ce matin, Dieu va te donner ce que toi-même tu vas demander. Si tu formules très bien ta prière, Dieu t'accordera ce que tu lui demandes. Lui-même dire, qui de vous, si son enfant lui demande quoi, le pain, il va lui donner une pierre. Si lui demande un poisson, il lui donne un serpent. Il dit non, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, alors Dieu ne donnera-t-il pas ce matin? Demande ce que tu veux et l'Éternel te l'accordera. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Écoutez, tel qu'il a demandé, il s'est appuyé sur les deux colonnes et un grand tumulte. Le meuble s'est écroulé. Et les gens sont morts. J'aimerais dire quoi? Tant que tu es vivant, même si tu es passé sous la vie d'imposition, tant que tu es vivant, la Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Comme tu vis, tu n'as pas échoué. Ce n'est qu'une expérience que tu as. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Ce n'est qu'une expérience. Et mais ce n'est pas l'échec. L'échec, c'est pour ceux qui sont morts. Mais tant que tu es vivant, la Bible te dit, il y a encore de l'espérance. Ce qu'on a coupé, il n'y a que les cheveux. Mais la tête qui produit les cheveux, elle existe encore. Et quelle est cette tête? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Il est la tête de l'Église.
l'église. Que Dieu soit glorifié. Lorsqu'on te critique, ne te décourage pas. Persévère. Alors l'esprit d'élimination, c'est juste pour t'amener à la mort. Troisième point pour terminer. D'autres points viendront après. Première caractéristique. Les personnes imposées sont généralement faibles de caractère. Ils ne savent pas réagir comme il faut. Ça, c'est la première caractéristique. Tu peux connaître une personne imposée. Il est vraiment trop faible de caractère. Il ne sait plus réagir comme il faut. Là où il faut dire oui, on le pousse à dire non. Là où il faut dire non, on le pousse à dire oui. Il n'est pas du tout responsable. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Deuxième caractéristique. Ces personnes présentent des signes d'épuisement physique sans une raison apparente, car un esprit les a utilisés ailleurs. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Quand tu remarques des personnes qui présentent les signes d'épuisement sans aucune raison ni de maladie, et de telles personnes, même quand elle dort, elle se réveille fatiguée. Elles n'ont pas de force. Ces signes-là prouvent que son esprit est utilisé ailleurs. Donc c'est que spirituellement la personne est dominée. Dans ses rêves, quand on le voit, il voit toujours les militaires qui les pourchassent. Il voit toujours les chiens qui sont derrière lui. Quand il dort entre le sommeil et l'éveil, il peut commencer, il voit comme une silhouette qui monte dessus lui. Il essaye de crier même Jésus. Ça ne va pas. Donc c'est que quelque part, la personne est utilisée ailleurs. Bien aimés frères et sœurs, le signe de sans aucune raison apparente prouve à suffisance que tu vis sous l'imposition de l'ennemi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Troisième caractéristique. Ces personnes ne progressent pas, n'avancent pas normalement, car elles sont au bout d'une corde tendue qui les bloque ou les fait revenir en arrière, et même parfois avec violence. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Et vous trouverez ces personnes-là, ils n'avancent pas. Tout ce qu'il veut, il ne progresse pas. Quand il commence un travail, ça n'avance pas. Papa nous a donné un certain témoignage. Une personne qui commence le commerce avec $20. Mais plus tard, il devient une personne sur laquelle il faut s'appuyer. Écoutez, Yoka, Dieu est avec toi Zamazano Elongo, et il veut que tu prospères. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous les cas. Comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé, c'est que tu dois avancer. Dieu ne veut pas que tu fasses du surplace. Dieu veut que tu ailles plus loin. Amen. Amen. Quatrième caractéristique, ces personnes-là ne progressent pas au travail. Depuis qu'il a commencé à travailler, pas de promotion. Depuis qu'il a commencé à travailler, il n'y a absolument rien. Non, bien aimé frères et sœurs, quand tu ne progresses pas, ne dis pas que c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen très bien?
bien. Amen. Ne dis pas que c'est la volonté de Dieu. Il y a un esprit là derrière toi. C'est une caractéristique de personnes qui vivent sous l'imposition. Est-ce qu'on peut dire amen? Même avec les petits salaires qu'on te donne. Lorsque tu ne vis pas sous l'imposition, bien aimé, tu peux t'organiser et faire des choses. Et tu peux aller de l'avant. Mais il y a d'autres personnes. Malgré les bons salaires qu'ils touchent au travail. Tous les jours, il est endetté. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Ils vendent même ceux qui sont des biens qui sont dans la maison. Et trouvez-vous que cela est la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais donner quelques principes et nous prions le Seigneur. Premier principe. Si tu veux sortir de l'imposition, c'est la prière. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, on peut lui ravir tout. Mais quelle vie de prière? Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Je reprends encore la vie de prière. Si vous voyez ce qu'Israël a fait, après ce moment-là, où Pharaon les imposait, la Bible dit qu'ils ont crié. Exode chapitre 3, le verset 7. Le verset 8 et le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai vu la souffrance de mon père qui est en Égypte. J'ai entendu. Est-ce qu'on peut dire amen? Les cris que tu vas pousser ce matin, que l'Éternel entende cela. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu. Amen. Que Dieu descende spécialement pour toi ce matin. Et que Dieu te visite ce matin. Et tu dois refuser cette vie d'imposition. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Tu dois prier. À prier quand elle est imposée par la stérilité, elle a invoqué le nom du Seigneur pour que la honte qui était dessus elle quitte. C'est ainsi que l'Éternel dit en Ésaïe 25 le verset 7 jusqu'à 9, il dit sur cette montagne. Qu'est-ce qu'on peut dire amen? Sur cette montagne moi l'Éternel je vais essuyer les larmes qui coulent à tous les yeux. Sur cette montagne, je vais déchirer les voiles. Les voiles qui couvraient tous les peuples. Sur cette montagne, je vais ôter l'opprobre de ce poids. Est-ce qu'on peut dire amen? Si tu pries, l'Éternel va ôter ton opprobre. Et il va te visiter. Deuxième principe. Même quand tu pries, écoute la voix de ton père. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Écoute quoi? La voix de ton père. Ton père qui t'a engendré spirituellement. Ton père qui est ton père à toi. Écoutez mes frères. Je peux être ce que je suis. Mais si je dérape dans ma voix, ne pas écouter mon père, tout ce que je ferai, je serai sous l'imposition de l'ennemi. Esther chapitre 2 verset 15. La Bible dit, lorsque son tour d'aller fut arrivé, Esther, fille d'Abikaï, ne choisit autre chose que ce qui lui avait été présenté par le livre du roi. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Écoutez, même si tu es riche plus que notre père, même si tu as des titres de grâce, sur le plan spirituel, le père reste père. Ne t'habitue jamais au père. Si le père te tape la main sur l'épaule, c'est pour te mettre à l'aise. Mais toi, ne touche jamais sur son épaule. Parce que lui, il est le père.
tata. Écoute son instruction. Yo kande matoli na ye. Fais ce qu'il vous dit de faire. Sala wa eris na oko sala. Non seulement vous. Kaka yote. Notre papa c'est un apôtre. Tata na biso sali toma. Nous nous sommes des pasteurs. Biso ta baba tele pate. Nous sommes ses enfants. Tata ba na ye. Ce qu'il dit ne fait pas. Alo biko sala te. Je ne le ferai plus jamais. Ako sala kango soki bokete. Même si cela me plaît. Ate ango ta ko sepeli sanga. Même si j'ai raison. Atanga na longi. On ne doit pas avoir raison devant son père. Est-ce qu'on peut dire amen, notre ami? Le ramen est malin, vous êtes fâché parce que j'ai dit ça. Vous savez qui parle bien, quoi? Fâché, c'est la vérité. Pour les années de vos solo. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Ça va pas mal, Bino. Amen. Amen. J'aimerais vous dire la vérité. C'est lui qui écoute son père. Moto ayo kaka tata na ye. Il fait la joie de son père. Asala kape sengwa tata. Et Dieu l'admet. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Même si tu as l'onction jusque dans les chaussures. Le père. Tata. Est père. Aza tata. Vous savez quand on parle du père, le temps me fait défaut. C'est la source. Le père est la source. Tata aza liziba. Vous connaissez les fers à repasser. Notre fer électrique là, il nous aide à faire du bon travail, n'est-ce pas? C'est quand il est branché dans la prise. Quand ce fer là est branché, vous pouvez repasser autant d'habits que vous voulez. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je me fais comprendre, n'est-ce pas? Amen. Patientez, nous allons terminer là. Mais quand tu n'écoutes pas ce que ton père dit, ça veut dire qu'on a débranché les fils qui étaient dans la prise. Le feu ou le fer ne va pas se refroidir instantanément. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Amen. Mais ce sont des fers que nous utilisons tous, n'est-ce pas? C'est un exemple terre à terre. Parce que tu es déconnecté. Tu es débranché. C'est vrai, tu vas repasser. Mais plus tu repasses, plus le fer se refroidit. Parce qu'il n'est pas branché. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Je vous dis franchement, même si vous priez jusqu'à monter au ciel, ne joue pas avec le père. Parce qu'il est père. Ne t'habitue même pas avec lui. Honore-le. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Ne t'habitue pas. Écoute ce qu'il dit. Esther n'a pas écouté autre chose que ce que l'énique du roi. Et l'énique du roi en matière, c'est le ministre de Dieu. Troisième, tu dois être reconnaissant. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous avons été hier. Pasteur Titi, tu te rappelles de Ipen, n'est-ce pas? On était avec toi et Christian. On était également avec Jonathan, toi tu étais là. Non. Toi tu étais encore trop petit là. Et papa nous enfermait chaque nuit. Papa nous enfermait chaque nuit. C'était vendredi ou un jour comme ça. Le vendredi. En train de nous enseigner. En train de nous parler. En train de nous montrer ce que nous devrions faire. Pasteur Titi, ma façon de prêcher de ce temps-là. Et maintenant, il n'y a pas de différence. Il y a beaucoup de différence, n'est-ce pas? Qui a fait de nous ce que nous sommes? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et une personne qui fait ça, ce qu'on moto a sali bongo, en retour, nasima, vous lui rendez ce que vous voulez. Yo ozong sele oyo lini. La malédiction tombera sur toi. La clé mabeko kwa liko na yo. Je ne te dis pas toi. Na lobi na yote. Mais j'ai dit à cela. Na lobi na moto wana. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Le père reste père.
Père. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est lui témoigner toute notre reconnaissance. Lui dire papa, même si je n'ai pas les dollars à te donner, mais tu es tout pour moi. Papa. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à toi, papa. Il va se sentir à l'aise. Il n'y a pas de choses qui font mal que de faire du mal à celui qui te veut du bien. Celui qui te veut du bien. Mais toi, tu lui fais mal. Le mal là, ce n'est même pas visible encore. Même dans ton cœur, tu penses. Ne critique pas le roi dans ta chambre comme Ecclésiaste dit. Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. Écoutez, c'est chez nous. Je vous ai dit que c'est ça un caractère d'enseignement. Tout ce que la personne parle est une semence. Tôt ou tard. Souka souka. Et kobota. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est ainsi que na bongonde, je t'interdis. Na pekisio. Même s'il y a quelqu'un qui vient dans ta maison, pour commencer à parler de n'importe quoi, qu'il ne laisse pas sa semence dans ta maison. Et s'il faut le chasser, tu peux même le chasser, tu ne pêches pas. Mais quelqu'un qui veut parler en mal de ton père dans ta maison, et toi tu es content d'entendre ça, est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Même s'il faut chasser une telle personne, la reconnaissance. La fois passée, je vous ai donné le passage de Deutéronome. Chapitre 8, le verset 10, n'est-ce pas? Écoutez ce que Moïse dit. Lorsque tu mangeras, lorsque tu te rassasieras, quand tu bâtiras de belles maisons et que tu y habiteras, est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Mais écoutez ce qui suit. Prends garde. Senzela. Faites attention Salangele. De celui qui t'a sorti là. Tu dois l'honorer. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. La reconnaissance. Il y a les gens qui sont imposés par les démons parce qu'ils sont ingrats. Et comme ils sont ingrats, c'est ainsi qu'ils vivent pendant longtemps sous l'imposition. Le temps est parti. Nous voulons prier avec une dernière prédication que nous allons tous faire. Nous nous tenons debout pour faire cette prédication et nous allons passer à la prière. J'aimerais que nous nous tenions debout. Chaque personne devient prédicateur. Avec sa Bible, nous sommes dans la lettre de Paul aux Romains. Et nous allons faire ensemble cette prédication-là. Dans quelques 3 minutes qui nous restent, nous allons prier le Seigneur. Romains chapitre 8. Ouvrez vos Bibles. Même si c'est en Lingala ou en Kikongo, même si vous avez n'importe quelle version, vous lisez dans votre version mais à haute voix. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce que nous y sommes déjà? Romains chapitre 8 verset 1 à 2. Est-ce que nous pouvons aller? 1, 2, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia! Écoutez la prédication de ce matin. Maintenant, il n'y a point donc de condamnation pour
ceux qui sont en Jésus, si nous pouvons remplacer la condamnation sur l'imposition, la phrase deviendra: il n'y a donc maintenant aucune imposition pour ceux qui sont en Jésus Christ. Pourquoi? Car en effet, la loi de l'esprit de vie. Amen. La loi de l'esprit de vie. Ce n'est pas la loi de ta famille qui te condamne. Ce n'est pas la loi du quartier où tu es entré. Parce qu'il y a des gens qui vivent sous l'imposition à cause du quartier. Et même des maisons qui nous louent, ils vivent sous cette loi-là. Maintenant, la Bible te dit, il n'y a donc maintenant, ce n'est pas hier, ce qui était hier appartient à l'histoire. Même si tu avais échoué, cela appartient à l'histoire. Même si tu avais réussi et que tu avais tout perdu, cela appartient à l'histoire. La Bible dit, il n'y a donc maintenant, c'est qu'aujourd'hui, dans notre église ici, quand je suis en train de parler, il n'y a donc pas d'imposition pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Il n'y a pas de cette imposition. Pourquoi? La loi de l'esprit de vie. Ça, c'est la loi de Christ. Celui qui est mort à la croix. Celui qui a pris ta place. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur cet homme-là. Il était regardé comme rejeté. Comme celui dont on détourne le visage. Et pourtant ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités, que toutes tes iniquités et que tous tes péchés, que le Seigneur te pardonne. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Même si tu étais condamné, n'importe quelle imposition, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, il t'a franchi, il t'a libéré de la loi de ta famille, de la loi de tes parents, de la loi du quartier, de la loi du péché et de la mort. Est-ce qu'on peut dire amen? Cette loi-là, elle est surnaturelle. Cette loi-là, elle est au-dessus de toutes les lois. Et c'est ça même la constitution céleste. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus m'a affranchi. Est-ce que tu peux dire avec moi? Je suis affranchi. Je suis affranchi. Est-ce que tu peux dire à haute voix? Je suis affranchi. Je suis affranchi. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, pas encore d'imposition, c'est la corvée qui était sur toi, soit brisée ce matin. Quelle imposition qui était sur toi, peut-être dans la famille on a dit vous ne vous marierez pas, peut-être dans les quartiers on a dit ce quartier est condamné, mais bien aimé ici. Ici en Bumbu, c'est le fruit d'une prière que notre Père avait fait. Papa, on venait ici. Même avec maman quand papa était au Shabbat. Avec notre Jeep là.
On s'embourbait partout. Mais bien avant cela, papa venait à l'église avec les camions. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Par la prière. Il a dit, je ne me déplace pas. Je reste toujours ici à Mbumbu. Le Dieu que je sais, le Dieu de l'apôtre Omer, c'est un Dieu qui change les choses. La loi de l'esprit de vie. Si ce quartier est délivré, c'est à cause de la prière de quelqu'un. J'aimerais te dire, par ta prière, les choses vont changer. Par ta prière, il y a la gloire qui va descendre. Par la prière, tu seras libéré. Tu ne dois pas être sous le contrôle de l'ange de ton quartier. Il y a un ange qui domine, un ange des ténèbres. Et dans ce quartier-là, les jeunes filles ne se marient pas. La prostitution bat record. Les garçons ne travaillent plus. C'est une vie imposée dans ces quartiers. Même si on avait enterré quelque chose, le Dieu de l'apôtre Omer Nyati, le Dieu qui a changé ces quartiers, ce Dieu-là est capable de changer ta situation. Il est capable de te transformer. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Quelle que soit ces lois-là, la loi de l'esprit de vie va t'affranchir ce matin. Nous élevons nos mains, nos pensées tournées vers le Seigneur. Nous allons dire au Dieu, Seigneur, je refuse la vie d'imposition. On me pousse toujours à faire le mal. Je ne progresse pas dans ce que j'ai fait. Ma vie tourne en place. Je ne sais plus avancer. Même au travail, Seigneur, rien n'avance. Dans l'église où je sers, rien n'avance. Dans le département, rien ne progresse. C'est comme s'il y a une vie d'imposition. Tu dois refuser cette vie-là. Ne sois pas sous le contrôle de cela. Tu veux lever tes deux mains. Si tu as délivré Israël, qu'ils entendent ton cri ce matin et qu'ils changent ta vie. Nous allons prier le Seigneur en disant, Seigneur, délivre-nous de l'imposition, de l'imposition de l'ennemi, tout ce que diable a imposé dans ta vie. Affranchis-moi. Prions, élevons nos voix. Parlons devant le Seigneur au nom de Jésus. Parlons devant le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Israël était imposé. Israël a konzamaki. Rien n'a marché dans sa vie. Pharaon les imposait. Mais lorsqu'ils ont crié vers toi, toi Dieu, tu as envoyé un libérateur. Moïse les a sortis sur ta parole puissante. Mais ici nous avons plus que Moïse, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la loi de la mort. À cause de cela, il y a point d'imposition. Point d'imposition pour ceux qui sont en Jésus. Moi je suis en toi, Jésus. Que toute condamnation disparaisse et que ta grâce, Seigneur, se manifeste dans nos vies. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre roi. Délivre-nous, Seigneur. Sauve-nous par ta grâce. Au nom de Jésus.
Élève ta main droite en l'air. Tu vas menacer tout esprit d'imposition, quelle que soit son origine, quelle que soit sa provenance. Nous prions comme ça quand nous allons inviter notre papa à pouvoir nous bénir. Mais toi, tu es en train de prier le Seigneur. Que tout esprit d'imposition, même dans les marchés, tu ne peux pas vendre. Qui commence une activité, elle n'avance pas. On doit prier le Seigneur pour condamner toute action d'imposition et les œuvres du diable pendant que notre Père s'approche pour nous bénir. Prions tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, hein? Amen. Nous allons nous asseoir 5 minutes. Alléluia. Amen. Je commence, je l'ai déjà dit, par là où il a fini. Un jour, j'étais avec l'apôtre Nzengu au Memling. Na Memling. À l'hôtel Memling, au restaurant. Na restaurant hôtel Memling. On était au restaurant. Tozaki na restaurant. Avec un homme de Dieu congolais. Na mosal na nzambi moko ya mboka na biso Congo. Très connu. Ayebani makasi. Je me réserve de citer son nom par respect pour lui, car je l'ai beaucoup respecté. Kutanga kombo na ete poete na zoto sape na zomemi aye. Dans son discours, na maloba na ye, il a commencé à critiquer devant moi. Abandi koloba mabe na miso nanga. L'apôtre Obaker. Yantoma Obaker. J'avais beaucoup d'estime pour lui et j'ai programmé déjà qu'il puisse venir faire un travail dans notre petite église. Je l'ai suivi, je l'ai entendu. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais mis pied dans cette église. Il ne pouvait pas supporter que quelqu'un puisse critiquer mon père. Moi, je sais ce que j'ai reçu de lui. Ce n'est pas qu'il est devenu mon ennemi. Mais j'ai pris mes distances. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est ce qu'Israël a dit là. Moi, je l'ai pratiqué. Je sais ce que Obaker m'a transmis. Et vous êtes bénis aussi parce que Obaker m'a transmis. J'arrête là. Maintenant, voilà ce que je vais vous dire. Amen, amen. Amen. On ne deviendra jamais grand sans passer par la souffrance. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Dieu ne te placera jamais dans une position élevée si tu n'as pas été éprouvé dans la souffrance. Dieu a volontairement soumis Jésus à la souffrance. Volontairement. Et pourtant, il appelle comment Jésus? Mon fils unique. Dieu n'a jamais eu deux comme Jésus. Mais la Bible dit, ça a plu à Dieu de le faire souffrir. Je pèse bien les mots. Hein? Quelqu'un peut m'aider à trouver le verset.
Il a plu à Dieu. Donc Dieu a pris plaisir à faire souffrir Jésus. Nazola ndela malamu maloba nazoloba et sepeli sinzambe luko banzamba sepeli anyoko la Yesu. Amen, amen, amen. Amen. Et après ça, simana yango, il l'a élevé. Atombola kiye. Et il l'a placé au-dessus de tout nom, de tout. Et Achie likolo ya kombo nyoso. Amen, amen, amen. Je dis, hein, Nalobi, il faut donc, et singeli ete, tu m'écoutes ma sœur, savoir et singeli koyeba konyokwama, savoir souffrir. Koyeba konyokwama. Attendez-vous. Je vous dis la vérité. Vous voulez monter avec le Seigneur? Savoir souffrir. On a donné, Israël a évoqué le témoignage de la maman là qui a commencé avec 20 dollars. Israël a passé le tatouage à maman Banda qui a 20 dollars. Je connais bien cette maman. Vous savez qu'est-ce qui l'a poussé à commencer? Nebi malon maman obelo ke tinda ke ya bana musala mbongo nae. France. Passi. C'est la souffrance qui l'a poussé à faire nécessairement quelque chose. Passi nde tindika ke a sala mo loko moko boye. Vous m'entendez bien? Amen. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Nazo nga koloba na bino nini? Je suis en train de parler pour notre pays, la RD Congo. Nazo lobela mboka na biso RD Congo. Notre pays a beaucoup souffert. Mboka na biso enyo kwa mimingi. Notre pays fait l'objet d'un complot international. Mboka na biso pena ezana katikati pena maele mabe pena batu basangani na mikili nyoso. Amen, amen. Amen. Au 21e siècle où nous sommes, na keke otozali pena atukumi bali na moko. Il n'y a pas un seul pays au monde. Ezana mboka moko tena mokili où il y a eu des morts. Autant que la RDC. Je ne sais pas si nous sommes conscients de ça. Amen, amen. Amen. Je répète. Amen. Je répète. Au 21e siècle. Depuis 2000. Aucun pays n'a connu autant de morts que la RDC. Voici le complot international qui est facile à démontrer. Vous avez vu la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Peut-il se passer un seul jour sans que toutes les grandes chaînes en parlent? N'est-ce pas qu'on en parle chaque jour? C'est vrai ou c'est faux? En RDC, il y a eu plus de morts qu'en Ukraine. Na RDC, batuba kufi ebele koleka na Ukraine. On n'en parle pas. Bazolo bela yango te. C'est que vous ne savez pas. Obino bo yebite. Les patrons de ces chaînes internationales sont dans le complot. Bakonzi ya betandwana pena mokili momba bango pe bazana katsa maele mabe wana eza kobomisa batu na RDC. Quand on n'en parle pas, même vous, Congolais, vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe dans votre propre pays à l'Est. Parce que les chaînes n'en parlent pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La première prière que nous allons faire. Nous allons prier pour Félix. Félix. Que tu l'aies voté ou pas, nous allons prier pour lui. Que tu sois de l'opposition ou pas, ce n'est pas ça qui compte pour moi. Ce qui compte, c'est le pays, la nation, notre héritage. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. S'il prend une mauvaise décision maintenant, ça va t'affecter, oui ou non? Ça va t'affecter. Regardez comment la ville de Kinshasa est tondimbalamokobatwebele. D'où viennent tous ces gens? Il y a aussi ceux qui fouillent la guerre à l'Est. Qui viennent, parce que là, c'est, ça devient invivable. Ce
soutien au phare d'essai. Ah, phare d'essai. Nous, l'église, c'est la prière. Biso, église, ande le sambo. C'est ce que la Bible enseigne. Yangone makumenza kopesa malaxi. La paix dans le pays, c'est la prière du peuple de Dieu. Kimia na mboka ezali bondela libota na Nzambe. Au mois de décembre, je partais au Cameroun pour une campagne d'évangélisation avec Titi et Patience. J'arrive à Kigali. Je les ai pris tous les trois. Et ils étaient là à prendre du thé chaud. On était dans un salon là pour en attendant la correspondance. Je leur ai dit, levez-vous. Ils sont partis dans un local réservé à la prière. Là, j'ai invoqué l'Éternel. À Kigali. À cause de tout ce que le monde entier fait contre la RDC à travers le Rwanda. Je vous dis que Dieu m'a entendu. Kigali to mboka Rwanda ezako mabe o bato bazako sala mboka RDC na nzela mboka Rwanda nzamba yoka kibiso. Le Dieu que nous avons invoqué est un Dieu de justice. Nzambo to be la kaza nzamba bosembo. Il est écrit dans notre Bible que le sang des innocents. Et comment la Bible était makila bato basala lokoti e gangaka. Des bébés dans le ventre qui n'ont même pas vécu un jour. On a éventré des femmes enceintes. Qu'est-ce que ces bébés ont fait? Qu'est-ce que ces pauvres villageoises femmes ont fait? Elles ont gêné qui? Elles ont pris l'argent de qui? Tout simplement parce que la RDC a des richesses que plusieurs pays du monde n'ont pas. Il n'y a pas de coltan au Rwanda. Le coltan se vend très cher. Il y a des coltans qu'en RDC. Et le Rwanda est le premier exportateur du coltan dans le monde. Vous pouvez comprendre ça. Rwanda, vous voyez maintenant pourquoi la guerre. Moto liboso ateka ka kolta na mokili mobimba tala suko tine ya bitumba na biso. Ceux qui achètent le coltan, ba somba ka coltan soutiennent les Rwandais. Bada ko sunga Rwanda pour nous faire la guerre. Po sala abundisa biso. C'est votre pays. Eza mboka na bino. Vous devez être au courant. Isengeli boye baka yango. Mais nous, kasi biso, nous prions. C'est ce qu'on vient de nous enseigner, n'est-ce pas? Ces histoires d'imposition, de domination, ça fait un peu comment? Par la prière. Amen, amen. Amen. Nous avons tellement de richesses. D'après certaines recherches, on croit même, je vous dis la vérité, je blague pas, que le jardin d'Éden est en Afrique centrale. Et la RDC, c'est le plus grand pays de l'Afrique centrale. RDC Afrique centrale. Vous comprenez quelque chose? Donc, tout ce que nous vivons comme guerre là, derrière cette puissance internationale, il y a aussi les diables. Amen, amen. Amen. Les Congolais prient beaucoup. Il y en a qui prient mal. Il y en a qui prient bien. Mais les Congolais prient. Ce n'est pas un hasard. Des prophètes des pays d'ailleurs. Ils ont eu, qui ne sont même pas des Congolais, qui sont des Suisses. Hein? Ils ont eu à prophétiser ce que Dieu a comme plan pour ce pays. En ce qui concerne l'évangile et le rôle que la RDC doit jouer dans le dernier temps avant l'enlèvement.